Ce jour-là, ses voitures de luxe étaient si nombreuses que pour les transporter, il avait fallu trois remorques comme celle-ci. C'était en septembre 2011. La justice française saisit une petite partie d'une immense fortune. Celle de Théodorin Obiang, aujourd'hui vice-président de Guinée équatoriale et fils du chef de l'État. Avenue Foch, l'une des plus chères de Paris, il possédait aussi cet hôtel particulier, transformé depuis en ambassade. 4000 mètres carrés avec discothèque, salle de cinéma, robinet plaqué or et des œuvres d'art, valeur estimée près de 150 millions d'euros. Mais selon plusieurs associations, ce patrimoine aurait été bâti frauduleusement en Guinée équatoriale. Elles ont obtenu l'ouverture aujourd'hui du procès des biens mal acquis pour corruption et blanchiment d'abus de biens sociaux notamment. Les juges ont pu tirer tout le fil rouge leur permettant de démontrer que tout ce patrimoine immobilier et mobilier, ces voitures, ces montres, avait été acquis par des moyens illicites, c'est-à-dire en puisant où ? Dans les caisses de l'État. Dans les caisses de l'État. Théodorin Obiang ne s'est pas présenté à l'audience. Pourtant, en 1998, il était bien moins discret. Le voici paradant sur les Champs-Élysées, fier de ses dépenses somptuaires. 30 costumes de couturier en une journée. 127 000 francs. Ou des montres de collection, dont celle-ci à 20 000 euros. C'est raisonnable, compris. Théodorin Obiang aurait profité de son poste de ministre de l'Agriculture et des Forêts pour détourner des centaines de millions d'euros via une société dont il avait le contrôle. Mais selon son avocat, l'enrichissement n'a rien d'illégal. Tout ce qu'il a fait est parfaitement licite parce qu'en République de Guinée équatoriale, il est tout à fait légal d'occuper des fonctions, fussent-elles ministérielles, et d'être actionnaire de sociétés de droit privé qui contractent avec l'État. Théodorin Obiang encourt 10 ans de prison et 50 millions d'euros d'amende. Son avocat demande un report du procès. La décision sera rendue mercredi. La justice suisse s'intéresse également de près à Théodorin Obiang. En novembre dernier, elle a fait saisir deux yachts d'une valeur de 240 millions d'euros et 11 voitures de luxe lui appartenant.